Ensuite, j'ai terminé de chez Victoria Secret, une brume pour le corps. Je suis hyper contente parce que vous avez vu, j'ai terminé les deux petites brumes plus celle-ci qui était remplie, je vais dire à peu près là, hein, je l'avais pas trop beaucoup utilisée. C'est la Love Spell, donc c'est une brume parfumée de chez Victoria Secret. J'ai beaucoup aimé l'odeur. C'est une odeur de poire acidulée, clairement ça tenait pas mal du tout sur, sur ma peau et surtout ça tenait très bien sur les fringues. C'était très agréable malgré tout, vraiment je compte là aussi pour le coup me débarrasser de beaucoup de parfums, de brumes, etc. avant de re-acheter ce genre de choses, mais clairement je pense quand même qu'en finalité, vraiment quand j'aurai tout fini, je pense quand même que je rachèterai quelques brumes de chez Victoria's Secret parce que elles font quand même bien le taf, je trouve. Et celle-ci, elle était très agréable. J'ai beaucoup aimé cette odeur de poire acidulée. J'ai bien aimé, donc voilà. Et écoute, peut-être, je ne sais pas pour l'instant, il faut vraiment que je finisse, mais peut-être, peut-être. J'ai dû farfouiller parce que je savais bien que j'en avais terminé deux. Ça aussi, c'était ma Laura qui me l'avait envoyé. C'est la crème lavante hydratante dermo-apaisante dans la gamme Effa Clar H de chez La Roche-Posay. Clairement, ça, je m'en suis servie comme nettoyant visage. Je l'ai trouvé très agréable. Pourquoi? Alors, c'est un produit qui ne mousse pas. Enfin, chez moi, en tout cas, il n'a pas du tout moussé. Mais c'est vraiment genre un lait que un peu nettoyant comme ça. J'ai trouvé très agréable. Alors là, l'odeur, c'est clairement... J'ai bien fait de protéger avec ma main. C'est clairement une odeur de produit de parapharmacie. J'ai trouvé très agréable. Alors je pense pas que je vais racheter ce produit là. Mais en tout cas franchement c'était très agréable. J'ai kiffé. Tout simplement j'ai bien kiffé. Oh. Ensuite j'ai terminé de chez Mixa. Ça aussi c'est... Je suis sponsorisée par mes abonnés en fait, c'est ça le truc. C'est clairement l'une d'entre vous qui me l'avait envoyé, oui. Je l'ai kiffé, c'est... Alors je l'ai kiffé, je l'ai pas kiffé, je vais vous expliquer. Donc c'est le Mixa Intensif Peau Sèche. Donc c'est un lait corps nutritif protecteur qui est dans la gamme bio à l'huile d'abricot et au thé vert bio chez Mixa donc. Le produit se présente comme ceci. Alors tout d'abord, l'odeur. On va commencer par l'odeur. J'ai beaucoup aimé l'odeur. C'est une odeur très douce, très légère. Mais tu sens quand même qu'il y a de l'abricot et du thé vert. T'arrives complètement à déceler l'odeur. J'ai beaucoup aimé l'odeur. J'ai beaucoup aimé la sensation sur la peau. Franchement, j'ai trouvé... Je m'en suis servie au niveau de mes bras... et je crois aussi de mes jambes, il me semble, en terminaison, vraiment pour le terminer, parce que je voulais vraiment passer à autre chose. Mais je crois que je m'en suis servie aussi sur mes jambes. Donc le côté hydratant était là, parce que j'ai trouvé que ma peau était quand même assez confortable. Alors c'était quand même avant, il faut que je vous le dise, c'était quand même avant que ma peau fasse des siennes et qu'elle devienne ultra desséchée de ouf et tout. Donc à cette période-là, ma peau allait pas trop mal et ça suffisait amplement, pas... Quand là maintenant je pense que ça n'aurait pas du tout suffi. Par contre, et ça je vais vous en reparler dans quelques secondes après ce produit là, j'ai remarqué ça. Et c'est pas la première fois que je remarque ça. Sur les produits bio, il y a un gros souci de pénétration. Pourquoi ça reste blanc pendant un moment? Et t'es obligé de masser. Ça prend trop de temps. Ça prend beaucoup trop de temps et j'ai remarqué ça sur les crèmes visage bio et les crèmes corps bio. Ça met une plombe à pénétrer, c'est ultra chiant. Mais par contre, voilà, la crème est pas désagréable. Mais par contre, ce côté non pénétrant, c'est vraiment casse-couille. Hein. Par contre, ça laisse une odeur très agréable, ça laisse hyper confortable. Mais voilà, ce truc de non pénétration, c'était très chiant, très casse-couille, honnêtement. Voilà. Je pense pas que je la rachèterai. Hein. Ensuite, justement, côté non-pénétration, un produit qui est censé lisser et hydrater, c'est la crème de jour anti-âge. On voyait beaucoup la pub passer à la télé, passer un temps. C'est de chez NAE, Natural Antica Herboristeria.
C'est de la cosmétique bio. C'est ma belle-sœur qui m'avait filé ça parce qu'elle-même s'était fait clairement embarquer par la pub, etc. Et donc elle a voulu tester cette crème, elle l'a pas du tout aimée. Moi, comme je te l'ai dit juste précédemment, j'ai trouvé ça très très chiant côté pénétration parce que vraiment ce genre de produit, j'ai remarqué ça vraiment, c'est pas pour taper toujours contre le bio, hein. Mais les produits bio ne pénètrent pas aussi bien que les autres produits. C'est hyper chiant, ça reste blanc. T'es obligé d'y passer 3 heures là à faire. Enfin, j'exagère un peu évidemment, mais t'es obligé de faire bien pénétrer pendant beaucoup plus de temps qu'une crème lambda. Moi j'ai l'habitude de chez Yves Rocher par exemple et. Non, je suis toujours pas sponsor Yves Rocher, mais pour le coup, j'ai l'habitude vraiment d'Yves Rocher et c'est des crèmes qui, voilà, ça pénètre relativement vite, machin. Mais alors, les crèmes bio, c'est pas la première que je teste et qui met vraiment longtemps à pénétrer. Alors, hormis ce côté, ça met longtemps à pénétrer, l'odeur, c'est une espèce d'odeur de. Un mélange entre je ne sais quoi et amande. Alors la crème en elle-même, j'ai pas trouvé que c'était spécialement plus hydratant. Je comprends pas tout le foin que cette crème a pu faire parce que honnêtement, c'est une crème quoi. Et je l'ai pas spécialement adorée. Oui, je l'ai pas spécialement adorée parce que vraiment à la fin, j'ai remarqué ça. C'est ce truc que j'ai horreur dans beaucoup de crèmes. C'est que je transpire en dessus de la crème. C'est horrible. C'est horrible. Cette sensation de transpirer en dessus de la crème, c'est terrible. Donc clairement, non, ça, je ne rachèterai pas évidemment. Quand je vois ce panier qui n'est pas beaucoup plein, ça me saoule. J'ai terminé de chez My Skin. Je sais pas du tout d'où ça vient. C'est l'une d'entre vous, je crois, qui me l'avait envoyé. C'est le Facial Sheet Mask Kitty Face. Si vous voulez voir ce masque posé sur ma tronche, n'hésitez pas à aller sur Instagram parce que clairement, c'est magnifique. C'est vraiment, on adore. Par contre, alors, encore une fois, ce masque était très agréable. Pourquoi? Parce que c'est un one shot, que c'est quand même bien rempli de produits, que c'est hyper frais. Moi, je le laisse en plus dans Yogi, mon petit frigo à cosmétiques. Donc, très frais et tout, très agréable. Il n'y a pas de souci sur ça. Par contre, ce masque-là en particulier était un petit peu épais. Le tissu qui est d'ailleurs dedans était un petit peu épais. Ce qui fait que du coup, il n'arrêtait pas de glisser. C'était un petit peu relou. Mais par contre, voilà, très très bien. J'ai vraiment bien aimé. J'ai aimé l'odeur. J'ai aimé ma peau après, évidemment. J'aime beaucoup ce genre de masque en tissu. C'est vraiment hyper agréable. Mais voilà, le problème de celui-ci, c'est qu'il glisse un peu. Si c'est vraiment un problème. Mais sinon, il était très très bien. Eh ben on risque pas de le remplir comme ça le panier. Neroli Orange Oil Face Mask Made in Korea. C'est la marque Stella Fiesta. Alors ce masque-là, il était hyper agréable, notamment. Ah ça sent plus vraiment. J'ai adoré l'odeur de ce masque-là. Je ne sais pas d'où il vient. Mais, enfin si, de Corée, c'est écrit Made in Korea. J'ai adoré ce masque parce que déjà, bon bah encore une fois, très agréable, etc. Il y avait pas mal de produits et tout, mais surtout l'odeur. Comment te dire? Ça sentait super bon, vraiment très très agréable. Ensuite, j'ai terminé, pardon, 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 de chez donc Yves Rocher. La gamme Elixir Jeunesse, c'est la gelée micellaire démaquillante. Je l'ai trouvée très agréable. Pourquoi? Alors déjà, cette gamme-là, j'aime bien l'odeur. C'est une odeur clairement mixte. Mixte qui sentirait presque le savon de Marseille. J'aime beaucoup, ça démaquille super bien. Alors évidemment, moi les yeux, j'ai tendance à les démaquiller vraiment que, mais vraiment que avec le biphasé de chez Yves Rocher justement. Et après, je m'attaque à tout le reste du visage et je passe un petit peu sur les yeux, mais j'ai toujours peur d'avoir des réactions cheloues au niveau des yeux. Donc je me tente à rien du tout, à part mon démaquillant biphasé d'Yves Rocher. Mais sinon, ce produit-là, franchement, il est très agréable. Ça démaquille très très bien. C'est une gelée, donc c'est pas tout à fait liquide. Et franchement, il fait bien son taf. J'ai beaucoup aimé. Je sais pas si je vais le racheter, mais j'ai beaucoup apprécié en tout cas. Oh non! Mais je peux pas jeter ça en plus. Alors ça, je suis très contente de l'avoir terminé.
C'est l'huile extraordinaire. C'est un voile de brillance, matière fluide et soyeuse. Pour les cheveux fins, c'est aux huiles de fleurs micro-diffusées, rien que ça. C'est dans la gamme Elsev chez L'Oréal. Et méfiez-vous clairement de ce produit-là. Pourquoi ? Parce que, je ne sais pas si vous le verrez, mais clairement, et ça, moi, autant, je ne fais pas du tout gaffe aux compositions des choses parce que j'en ai clairement rien à péter. Par contre, je fais vraiment gaffe à une seule chose. C'est dans mes cheveux à pas mettre de spray comme ça avec de l'huile. Clairement, il en restait pas beaucoup. C'était ma belle-sœur qui me l'avait refilé parce qu'elle avait pas du tout aimé ce produit-là. Parce que selon ses cheveux... Alors ma belle-sœur a quand même les cheveux assez fins. Et elle trouvait que ça les faisait graisser. Vraiment cet état friteuse, elle aimait pas du tout. En tout cas, moi j'ai juste remarqué, je sais pas si vous le verrez, mais le deuxième ingrédient, il y a écrit alcool. Et ça, autant je vous dis bien, sur n'importe quel produit, je ne suis pas regardante, mais tout ce qui est capillaire, genre mes huiles, les produits qu'on laisse longtemps poser comme les huiles, les sprays, etc., je fais gaffe à ce qui est surtout pas d'alcool. Autant te dire que ça, je suis très contente de l'avoir terminé et que je ne le rachèterai pas parce qu'il y a de l'alcool, parce qu'ils nous font vraiment, mais ils nous niquent comme c'est pas permis avec leur titre de huile prodigieuse. Il doit y avoir très très peu d'huile, mais il y a de l'alcool quoi. Merde, merde, donc je ne veux pas utiliser de... Autant, voilà, je vous dis bien, j'en ai rien à foutre pour le reste, mais je ne veux pas utiliser d'alcool sur mes cheveux. Voilà. Encore un truc que je ne vais pas pouvoir jeter, c'est évidemment mon huile d'onacre et bourrache de chez NutriSanté. Vous savez, je pense, je vous le rabâche à chaque vidéo encore une fois. C'est vraiment un truc que je ne peux pas m'en passer. Clairement, ma peau est en souffrance quand je m'en passe. Je suis encore avec NutriSanté et puis après je vais filer dans une autre marque parce que j'ai trouvé une plus grande contenance à meilleur prix, mais en tout cas voilà, je peux pas m'en séparer clairement, et celle de NutriSanté est très très bien, mais je pense que clairement il n'y a pas grand chose qui change avec les autres. On verra bien hein, mais à mon avis il n'y a pas grand chose qui change, mais en tout cas voilà, j'aime beaucoup. Voilà. Ensuite, on continue avec un petit bain de douche sans swirl de chez Yves Rocher. Vanille Bourbon, qui se présente comme ceci. C'était une petite miniature. Je suis contente parce que je crois que j'ai vraiment bien terminé la plupart de ceux que je voulais terminer. Je crois que je les ai vraiment tous terminés. Les mini gels douche comme ça. Vanille Bourbon, un classique d'Yves Rocher. Il y a une bulle. Un classique d'Yves Rocher. Ah, ça me rappelle vraiment le Yves Rocher, vraiment d'antan. Tu sais, moi, je ne dépensais pas, mais ma tante et ma mère dépensaient chez Yves Rocher. Clairement, ça me fait penser à cette époque-là. Et j'héritais ensuite des petits trucs comme ça. Mais ça, ouais, c'est vraiment le Vanille Bourbon, c'est le parfum à l'ancienne d'Yves Rocher. Le parfum classique. J'aime beaucoup. Je rachèterai pas, mais j'aime beaucoup. Ça me replonge dans certains souvenirs. Ensuite, j'ai terminé pour la deuxième fois. Je voulais vraiment vous en parler une deuxième fois pour être vraiment sûre, parce que la première fois, j'étais pas très très sûre de ce que je pensais de ce produit. C'est la formule ensorcelante anti-peau de croco, 3 en 1. Raffermit, gomme, hydrate pendant 24 heures. C'est un produit pour le corps de chez Garantia. Alors, là pour le coup, je sais mieux ce que je peux vous dire sur ce produit déjà. Déjà vraiment l'odeur. L'odeur, j'adore. J'adore l'odeur de ce produit, c'est un truc de fou. Et alors pour le corps, j'ai trouvé ça hyper agréable. Là, je confirme ce que je pensais déjà, mais vraiment, je le confirme. C'est une texture qui est hyper légère, mais qui est foutrement hydratante. Et j'ai trouvé que déjà, l'odeur reste bien sur la peau, et ça, c'est hyper agréable. Et je trouvais que ma peau était très confortable, bien hydratée et tout. Et vraiment, j'ai adoré. Donc, alors... Malheureusement, Garantia, c'est une marque qui n'est vraiment pas donnée, donc je ne pense pas acheter ce produit, parce que voilà, c'est des produits qui sont onéreux, je trouve, mais franchement, très très bon produit, honnêtement.
Et on va s'arrêter là pour le moment, puisqu'il nous en reste un petit peu, mais que, évidemment, je n'ai plus de batterie. Après une pause, donc, de batterie, nous revenons pour la suite et fin de la vidéo. Je sais pas si, finalement, je découperai en deux, on verra bien. Bon, bref, en tout cas, j'ai terminé. On finira par le make-up, parce que, du coup, j'ai tout vidé du sac. Hein. Il est vide, je sais même pas où il est, d'ailleurs. Bref, j'ai terminé le gommage végétal poudre d'abricot. Donc, c'est pour tout type de peau. C'est donc un gommage et c'est, encore une fois, de chez Yves Rocher. C'est un produit que j'aime beaucoup, mais j'aime beaucoup l'odeur et surtout, j'aime bien le pouvoir gommant de ce produit parce que je pense que vous voyez, il y a quand même des gros grains et au niveau du corps, ça gomme vraiment, vraiment bien. Par contre, je vous l'ai déjà dit dans les précédents produits terminés, je cherche vraiment à faire en sorte de terminer tout ce qui est gommage comme ça en tube, en quoi que ce soit. Je cherche vraiment à tout éliminer ces gommages-là et vraiment passer à mon gant de gommage. Je crois que j'en ai encore en stock, mais une fois tout terminé, je passerai vraiment à mon gant de gommage avec un petit peu de gel douche, tu brosses et ça frotte autant qu'un gommage. Mais en tout cas, celui-ci, je t'avoue qu'il me manquera quand même un petit peu. Et si toutefois Yves Rocher pense à me l'offrir, je ne dirai pas non. Parce que je l'aime beaucoup, parce que tu sais, avec ta carte de fidélité et les cartons qui t'envoient, en général, tu as le choix, j'ai de la poussière qui vole, tu as le choix entre plusieurs produits ou quoi que ce soit, et de temps en temps, ils t'offrent ça en cadeau, ce genre de petits produits en cadeau, et franchement, je le prendrai avec grand plaisir, je m'en servirai avec grand plaisir, surtout que là, en plus, c'est de la poudre d'abricot, c'est vraiment pas des billes de plastique, chose qui est le cas dans beaucoup de gommages. Donc pour le coup, voilà, je serais très contente de m'en resservir, etc. Mais je pense définitivement ne pas acheter ce produit, même si je l'aime beaucoup. Je veux vraiment passer à un truc plus soft où tu n'as pas besoin de racheter un produit et tu te sers de ton gant de gommage, t'as compris. En tout cas, voilà. Concentration. Pas mal du tout. Ensuite, je suis très fière. Ensuite, j'ai reterminé un produit de chez ESPA. Et là, du coup, on est sur le Overnight Hydration Therapy. Oui, oui, oui. Et donc c'est une sorte de... Je sais pas si ça a le nom de masque ou de... Oui, ça a le nom de masque. En gros, c'est un masque à poser avant la nuit et tu retires le surplus. Moi, perso, je m'en servais presque comme un masque de nuit que je laissais poser ou une crème de nuit un peu riche. Mais par contre, j'ai vu clairement la différence avec un produit que je vais vous présenter après. Ça n'est pas du tout aussi performant que l'autre produit. Et... on est encore sur un problème d'odeur avec cette marque ESPA, donc je l'avais eu dans ma box. Elle revient relativement souvent cette marque pour tout un tas de produits comme le beurre pour le corps là, etc. Je suis pas très fan de cette marque parce que vraiment ces odeurs d'huiles essentielles qui sentent très très fort, c'est quand même assez désagréable, surtout au niveau du visage. Si c'est pour le corps, à la limite, voilà, tu t'es pas tout le temps en train de te renifler les jambes ou le bras ou quoi que ce soit, mais quand c'est vraiment... sur le visage, l'odeur reste quand même relativement longtemps et ça sent très très fort. Donc ce que je faisais, c'est que je l'appliquais partout sauf en dessous du nez, ce qui fait que j'avais pas trop l'odeur, mais ça sent quand même très très fort. Je suis pas très fan et non, ça clairement, je n'achèterai pas. J'étais pas loin. Justement, je vais vous parler de ce produit-là que j'ai, spoiler, adoré. C'est de la marque Pareil, je ne sais pas comment ça se dit. Voilà, c'est petit pot comme ça de 10 ml que j'avais encore une fois reçu dans ma box. C'est la gamme Platinum et c'est le Firm and Lift Cream. Alors tout d'abord, odeur. Clairement, ça sent la mamie un peu luxe. La mamie luxe. Moi, je vois tout à fait une mamie un peu fashionista, un peu moderne, un peu pimpée, un peu voilà, apprêtée, etc. porter ce genre d'odeur sur elle, ça sent très bon, je trouve que ça sent très bon, et c'est une crème franchement qui est extraordinaire. Alors je crois qu'elle a comme nom crème, j'ai fait des recherches parce que je m'attendais vraiment à un prix assez élevé, je sais pas pourquoi, en voyant le nom de la marque, en voyant le, je sais pas, les petits packaging, etc., je m'attendais à un prix très élevé, et en fait c'est vraiment un... je dirais un milieu de gamme quand même, c'est pas très donné mais c'est pas trop excessif non plus.
Je crois que cette crème-là, elle coûte aux alentours des 30 ou 40 euros. C'est quand même une somme. Je pense pas être totalement prête pour le moment à investir dans ce genre de... Enfin, investir cette somme-là dans une crème. Mais franchement, elle est mais redoutable, cette crème. Elle est... Waouh! C'est-à-dire qu'avec la ESPA, j'ai testé un peu les deux et j'ai même testé avec aussi le masque de nuit à la banane de chez Tony Moly. Et clairement, celle qui avait le meilleur effet, avec rien du tout, juste genre cette crème et c'est tout. C'est vraiment cette crème. Parce que clairement, tu mets cette crème, le lendemain, ta peau, elle est repulpée. C'est un truc de malade. J'ai jamais vu ça et franchement, elle est vraiment hyper efficace. Bon, j'ai 28 ans, mais franchement, je revoyais vraiment une efficacité. Elle est redoutable. Je la trouve extraordinaire. Alors, pour l'instant, j'ai quand même pas mal de soins, etc. Mais vraiment, si je devais acheter un soin un petit peu onéreux, mais efficace, qui je sais est efficace et qui est hyper sympa, qui me tente vraiment, ça serait cette crème. Déjà, j'ai adoré l'odeur et puis vraiment l'effet. J'étais assez scotchée. Et franchement, le petit pot là de 10 ml, il m'a fait un temps quand même assez sympathique. Je l'ai adoré cette crème. Et honnêtement, je me la note à moi-même pour plus tard. Je l'ai adoré cette petite crème. Franchement, je vous la remontre. J'ai vraiment, vraiment bien kiffé. Ensuite, j'ai terminé. Encore Yves Rocher, c'est la gamme Elixir Jeunesse et c'est le soin détox, soin liquide de jour. Toujours donc de chez Yves Rocher. Toujours pas de sponsor. Alors déjà, cette gamme, moi je la connais depuis longtemps. J'adore l'odeur de cette gamme. C'est une odeur mais complètement mixte. Alors les gars, si ça vous intéresse d'avoir une crème qui est hyper légère mais que tu sens, en fait moi vraiment cette sensation que j'ai avec ce soin-là, c'est genre je mets ce soin-là et le soir quand je me démaquille, quand j'enlève tout ça, j'ai vraiment l'impression grâce à ce soin d'avoir une sorte de barrière et j'ai l'impression que ma peau est un peu moins cranouille que quand je me sers pas de ce soin-là. Alors clairement, est-ce que je le rachète ou pas? Clairement, j'ai déjà toute la gamme qui m'attend en backup, donc oui, j'ai déjà acheté, je l'aime beaucoup et là encore, c'est assez régulier que Yves Rocher nous offre ce petit format-là. Franchement, j'aime beaucoup et voilà, j'aime beaucoup. N'hésitez pas à le tester parce que vraiment, j'aime beaucoup l'odeur, la texture qui est hyper légère. Ça pénètre très très vite et tu te sens, je sais pas, comme une barrière protectrice avec la pollution. Et ta peau est, enfin, moi pour moi, ma peau est moins sale. Donc voilà, j'aime beaucoup ce soin. Ensuite, j'ai terminé. On va passer un peu aux bougies. Alors, une bougie que je ne vais pas jeter, mais clairement, elle n'est pas finie. Mais je m'en sépare parce que je n'en peux plus. Je pensais même m'en être déjà séparée. C'est une bougie de chez Roger Égalé, clairement. J'aime pas du tout l'odeur. Je pense qu'il y a du patchouli parce qu'elle me donne une envie de vomir. C'est terrible. Alors déjà, le fait qu'il y ait du patchouli, je pense qu'il y a du patchouli, déjà ça me donne donc envie de vomir. Et hors cette histoire-là, la dernière fois que je l'ai fait brûler, j'ai fait une intoxication alimentaire. Donc autant te dire qu'en sentant cette odeur, ça m'a directement fait vomir. Quoique au moins j'ai pas eu le temps de digérer, j'ai vomi direct. On reste dans le glamour, bien sûr. Mais autant te dire que je m'en sépare parce que elle me dégoûte cette. Je sais pas, j'ai pas plus de références que ça, mais clairement, elle est horrible cette bougie. D'ailleurs. Oui, j'irai me laver les mains parce que j'ai l'odeur. Bon, bref. Ensuite, j'ai terminé trois petites tartelettes de chez Yankee Candle. À savoir, petite info, vite fait comme ça, les tartelettes Yankee Candle n'existent plus. Ils ont passé à un format différent. C'est toujours le même truc de tu mets ton truc dans le brûleur, etc. Mais ça ressemble un petit peu. Je crois qu'ils appellent ça les fondants, si je me. Fondant, fondant. Je crois il me semble qu'ils appellent ça les fondants. C'est un petit dôme, c'est une petite montagne comme ça. Même principe, tu fais brûler, etc. Je ne l'ai pas encore testé. J'attends vraiment d'écrouler mon stock de tartelettes. Je t'avoue que ça fait bizarre parce que moi j'aimais beaucoup le format tartelette, mais bon, écoute, tant pis. Il faut bien que Yankee Candle aussi se renouvelle, même s'ils ont de très bons produits. J'espère qu'ils resteront très très bons sous d'autres formats. En tout cas, j'ai terminé. On va commencer par celle-ci. Le fruit du dragon rose,
qui est comme ceci. Alors écoutez, pour ma chambre, je n'ai pas trouvé qu'elle sentait excessivement fort. Je vais même pas m'amuser à la balancer parce que je sais que ça va voler juste là à côté de moi. Donc ça sentait pas extrêmement fort. L'odeur était très douce, assez agréable, mais j'ai pas eu de coup de cœur, donc ça non, clairement je ne rachèterai pas. Ensuite, j'ai terminé la Champaca en fleurs, donc Champaca Blossom. Non, franchement, pas eu de coup de cœur. Ça sent bon, mais j'ai pas eu de coup de cœur, honnêtement. Pour le coup, c'était un peu plus costaud que, par exemple, le fruit du dragon. C'était un peu plus costaud, un peu plus soutenu, on va dire. Mais j'ai pas eu de coup de cœur, honnêtement. Non, je ne rachèterai pas ça. Et pour finir, je suis en train, vous le voyez pas, mais juste à côté de moi, là, il y a cette tartelette, cette moitié de tartelette qui me restait, qui est en train de fondre. Et c'est la sable rose, donc pink sand, qui est comme ceci. Et honnêtement, c'est vrai que si on me dit qu'est-ce que ça sent le sable rose, ça sent clairement le sable de la plage. Avec une petite odeur un peu iodée, un peu marine comme ça. Donc c'est une odeur qui est assez agréable. Je trouve qu'elle se diffuse bien. Elle est pas non plus, elle tabasse pas trop, parce que par exemple j'en ai une que je fais brûler dans le couloir. Je n'arrive pas à les faire brûler ici parce que ça sent vraiment beaucoup trop fort. C'est la pain au raisin. Alors elle sent bon, mais elle sent beaucoup trop fort. J'arrive pas à la faire brûler que dans ma chambre. Je la mets dans mon couloir, comme ça, ça se diffuse un peu dans toutes les pièces. Dans le salon, dans la cuisine, dans les chambres, etc. Ça se diffuse partout. Donc pour le coup, elle tabasse beaucoup. Celle-ci, elle est beaucoup plus douce. Elle est entre le un peu moins de Pink Dragon là et un peu trop de du truc à manger là, du pain au raisin. Elle est entre les deux, elle est pas désagréable, mais honnêtement non, c'est pas un coup de cœur. C'est pas un coup de cœur. J'ai vraiment mes 4 coups de cœur chez Yankee Candle, que je pense que je resterai vraiment sur eux toute ma vie. Mais celle-ci, non, j'ai pas eu le coup de cœur. On continue avec un autre produit que j'ai terminé, c'est la Créaline H2O. Donc ça, c'est la gamme, et c'est une solution micellaire démaquillante pour les peaux sensibles, qui nettoie et apaise, dermo-brevetée, de chez Bioderma. Ça aussi, c'était ma petite Laura qui me l'avait envoyé, et je vous ai déjà expliqué, mais Bioderma m'avait envoyé, il y a ça vraiment des années, cette gamme-là, avec la bébé crème et l'eau micellaire. Alors la bébé crème, elle était, pour une teinte claire, elle était beaucoup trop foncée pour moi, en tout cas, parce que, ben, vous voyez, hein. Je suis extrêmement bronzée. Donc voilà, déjà premièrement, elle n'était pas désagréable en soi, mais vraiment c'est une bébé crème que je me sers l'été quand je suis bronzée, et je suis pas très très bronzée, encore moins ces derniers temps parce que je ne prends pas le soleil, bref. Et en tout cas, la Créaline H2O, elle m'avait, j'ai toujours cette truc en tête, elle m'avait brûlé les yeux, vraiment, j'arrivais même plus à ouvrir les yeux, j'étais en mode ah. C'était horrible, ça durait pendant un bon 10 minutes presque. C'était très très long, ça brûlait les yeux, ça piquait les yeux, c'était horrible. Malgré le fait que je rince toujours mes eaux micellaires, ça m'avait brûlé les yeux, etc. Du coup, vu que je connaissais déjà le produit, je ne m'en suis pas du tout servie sur les yeux. J'avais trop peur. Pour démaquiller le teint, elle est très très bien. Mais je trouve que voilà, Bioderma, je sais pas pourquoi passer un temps, c'était la grande folie Bioderma. Honnêtement, non, je n'achèterai pas ça parce que clairement il y a des eaux micellaires qui sont beaucoup plus douces et tu peux même passer sur les yeux sans que ça soit trop agressif. Et clairement non, j'ai tellement peur d'en servir sur les yeux, j'ai évité, mais vraiment, vraiment, vraiment. Donc non, ça clairement je n'achèterai pas. Ensuite, j'ai terminé, ça aussi je crois que c'est ma Laura qui me l'avait envoyé. De chez, je crois que, je pense pas que ça se dit comme ça, mais j'aime bien dire Human Plus Kind, je pense pas que ça se dise comme ça. C'est le Vegan Lip Balm au Green Tea, qui se présente donc comme ceci. Donc c'est un baume à lèvres au thé vert. J'ai adoré ce produit, vraiment, je connaissais pas du tout la marque, j'en avais déjà entendu parler. Alors, clairement, ça sent rien, enfin c'est une odeur très très légère. Honnêtement, mais alors j'ai adoré, ça a un effet un peu presque, pas gloss, mais vraiment genre huile pour les lèvres,
hyper doux. J'ai beaucoup aimé, genre l'odeur, le goût, l'odeur sur les lèvres, c'était très agréable. J'ai trouvé que c'était pas mal du tout comme petit produit. J'ai trouvé que mes lèvres étaient vraiment confortables à son usage. Et alors, je pense pas l'acheter parce que là encore, j'ai un gros souci avec les baumes à lèvres, j'en ai beaucoup trop. Mais honnêtement, très très agréable. J'étais vraiment surprise de découvrir ce produit que je connaissais vraiment pas. J'ai beaucoup aimé. Voilà. Écoutez, résumé de l'histoire, j'ai beaucoup aimé. Dernier produit soin, on passera au make-up. J'ai terminé. Je suis très triste, il faut vraiment que je la rachète. C'est la Gold Snail Facial Cream. C'est une petite crème comme ceci que je trouve chez AliExpress. Je pense qu'on peut le trouver sur d'autres sites. Donc voilà, je l'ai vraiment bien terminée et c'est ma crème favorite pour... Vous le savez si vous me suivez, pour elle, Marine du Lion. Alors je suis passée sur un petit sérum, toujours à base de bave d'escargot. Je bloque toujours sur ce terme. À base de bave d'escargot, je suis passée sur un petit sérum donc de chez Action. Mais clairement, il est agréable, il y a un petit effet, mais ça n'est pas du tout autant efficace que cette crème-là. Vraiment, avec cette crème-là, je la vois beaucoup moins présente. Mais je le vois, hein, vraiment, j'arrive à faire des pauses entre cette crème et à la reprendre. Et vraiment, je vois que la ride du lion est beaucoup plus estompée. Elle est bien hydratée en fait. Et du coup, elle est un peu plus repulpée et moins creusée, tout simplement. Alors évidemment, encore une fois, les crèmes à base de bave d'escargot, on ne prend pas des escargots, on ne les écrabouille pas pour retirer la bave. C'est le même, la même molécule, je n'y connais pas grand-chose, mais le même... truc que la bave d'escargot. Et vraiment, mais j'aime trop cette crème. Alors honnêtement, donc pour l'instant je suis sur le sérum, mais clairement je pense que vraiment je vais retourner avec cette crème qui est je peux pas m'en passer, je l'aime trop cette crème. Concentration. Et enfin on termine sur du make-up, parce que j'en ai quand même terminé. Alors je vais commencer par un truc qui est pas vraiment du make-up, mais qui quand même sert pour du make-up. C'est ce petit produit-là de chez ELF, et c'est le Daily Brush Cleaner. Pardon. Donc ça se présente comme ceci, c'est tout simplement un petit désinfectant pour les pinceaux. Donc là clairement ELF c'est devenu plus compliqué, quoique je crois qu'il y a un site qui livre, un site ELF France qui livre donc en France. Donc ça devient beaucoup plus facile, mais c'était vraiment à la grande époque de ELF. J'ai adoré la marque, pardon. Ce produit-là, donc je m'en sers quand vraiment je sens que certains pinceaux sont là depuis un certain temps dans mon pot. Avant de m'en servir, je pitch comme ça, pitch tous mes pinceaux pour histoire de désinfecter un petit peu. Alors pour le coup, du coup, je ne suis pour le coup du coup, bien sûr, je ne suis pas repartie sur le ELF parce que c'était un peu compliqué d'avoir ELF. Mais je suis sûre, simplement Estée Lauder, permettez-moi de vous dire. Pourquoi? Parce que j'en ai entendu parler, que ça fait longtemps que je l'ai acheté, qui n'était pas si cher que ça pour un gros format. Donc je vais tester le Estée Lauder, je vous en reparlerai, parce que pour l'instant, clairement, je ne l'ai pas testé, pour être très honnête avec vous. Donc je vous en reparlerai, mais en tout cas, pour parler de celui de ELF, à l'occasion, pourquoi pas pour l'instant... voilà, j'en ai pour à peu près 10-20 ans, encore une fois, du Estée Lauder, donc ça ira. J'ai beaucoup aimé l'odeur. En plus, l'odeur restait beaucoup sur les pinceaux. Ça sentait un peu le melon, tu vois, un truc assez frais. Écoute, je pense que ça faisait bien son job. Après, je ne sais pas. J'ai même plus la composition du produit. Je ne sais pas du tout, mais en tout cas, c'était très agréable. À l'occasion, pourquoi pas, d'ici 10 ou 20 ans, le temps de finir la bouteille que j'ai. Donc voilà. Merci ELF. J'ai terminé, trop contente. Ce mascara, c'est le, attention, Pump Up Booster Waterproof Mascara 24 heures de chez Miss Sporty. Alors je l'avais pris parce que honnêtement, c'est une marque qui est distribuée dans mon casino, Géant Casino. Et c'est une marque qui est vraiment pas très chère. Et j'avais envie de tester un mascara parce que je me suis dit, peut-être, ça peut être l'occasion de croiser un très très bon mascara à tout petit prix. La brosse est comme ceci. Alors c'est une matière qui est assez liquide par contre. Et honnêtement, waterproof, non. Non, non.
Non, parce que les derniers temps que je l'ai porté, on avait le masque et du coup j'ai tendance à suer des cils, suer de vapeur des cils. Et du coup, quand il y avait vraiment trop, ça formait comme des gouttelettes. Et quand je passais mon doigt comme ça, j'en avais plein le doigt de mascara. Et j'utilisais ce mascara-là, donc je crois que c'était le pire parce que même les mascaras où il n'y a pas écrit waterproof, ils coulaient moins que lui. C'était une catastrophe. Je trouvais pas spécialement que ça faisait un effet de fou sur mes cils. Ça me les coloriait en noir, en gros. Mais il n'y avait pas de volume, il n'y avait pas de courbe, il n'y avait rien du tout. En plus de ça, le côté waterproof, comme je vous ai dit. Honnêtement, voilà. Si vous le croisez, passez votre chemin. Franchement, il est vraiment pas terrible. Je suis bien contente de l'avoir terminé, d'ailleurs. Ensuite, un de mes mascaras chouchous chez Yves Rocher. Alors, depuis, il a vraiment changé de packaging. Je vais essayer. Non, parce que je vais galérer au montage, je vais pas vous mettre l'image du packaging. Mais en tout cas, depuis, il a changé. Et ça il s'appelle ce mascara. C'est le mascara volume déployé. Je crois que maintenant, il s'appelle genre 360 volume ou une connerie comme ça. En tout cas, c'est vraiment mon chouchou chez Yves Rocher. Je l'ai en backup. Et je crois que j'ai toujours ce packaging-là, il me semble. Donc j'avais vraiment fait un backup de folie de ce mascara. Je l'aime trop, en fait, ce mascara. La formule, je l'adore. La brosse, elle est toute simple, en poil, droite comme ça. J'adore l'effet. La frange de cils est magnifique avec ce mascara, et je l'ai toujours en backup parce que vraiment je l'aime beaucoup ce mascara. C'est un de mes chouchous. Avec le Sexy Pulp, je sais pas s'il s'appelle toujours Sexy Pulp, toujours chez Yves Rocher. C'est vraiment mes deux chouchous. Côté mascara, celui-ci et le Sexy Pulp, je les adore, donc oui, ça je l'ai déjà. Ensuite, alors là, grosse découverte. Grosse découverte, et en plus, c'est l'une d'entre vous qui me l'avait fait découvrir. Alors là, trop contente, c'est le Bad Gal Bang de chez Benefit. C'est un petit format comme ça. J'ai adoré ce mascara, mais un truc de fou, vraiment le. Alors la brosse, pourtant, on était plutôt mal parti parce que je n'aime pas les picots en plastique. Et là, on est sur du picot en plastique, on est sur une brosse qui est quand même assez grande, conique comme ça. J'ai adoré, ça sépare les cils, ça donne une longueur et une courbure, ça aide à faire tenir la courbure un petit peu plus longtemps, mais surtout la longueur, la définition, c'était vraiment très très joli. J'ai adoré l'effet de ce mascara sur mes cils en tout cas. Je sais qu'il y en a certaines qui l'aiment pas parce que je crois que j'en avais parlé dans des favoris et qu'on m'a dit non, moi je l'aime pas trop et tout. Moi en tout cas, il a fait un effet waouh sur mes cils. Clairement, je ne le rachèterai pas parce que ce mascara-là a un certain prix. Alors vous allez me dire, ouais, mais les mascaras Yves Rocher ils sont pas donnés. C'est vrai, vous avez tout à fait raison. Sauf que moi, vu que je suis une cliente très très fidèle de Yves Rocher, j'ai tous les mois ma carte dans ma boîte aux lettres qui m'offre, par exemple là, je l'ai juste en face de moi, qui m'offre deux produits pour le prix d'un, moins 50%, moins 50% et moins 40%. Donc voilà, j'ai tout le temps des prix. Donc le mascara, par exemple, si j'ai envie de me le reprendre, je sais qu'il me coûtera beaucoup moins cher que le prix de base. Ça reste quand même assez cher, mais voilà, il me coûtera moins cher. Alors que là, honnêtement, il faudrait que je passe par Sephora. Non, clairement non, mais gros 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 coup de cœur sur ce mascara. Je n'en reviens pas pour une brosse en picot en plastique. J'étais vraiment surprise. J'aime beaucoup en plus le packaging avec des sortes de clous comme ça. Franchement, à l'occasion de me faire un gros kiff, si je passe dans un Sephora, peut-être pourquoi pas. Mais en tout cas, je l'ai beaucoup aimé. À l'occasion, pourquoi pas. Je l'ai beaucoup aimé, mais non, je ne rachèterai pas parce que quand même. Ensuite, j'ai terminé. Une poudre, c'est la Pressed Powder de chez Collection. Je ne sais pas du tout d'où ça vient. C'est en teinte 01 Candlelight et c'est l'une d'entre vous aussi qui me l'avait offert. Donc vraiment, j'utilise vos produits. Pour celles qui m'envoient vos gentils petits colis et tout, j'utilise vraiment les produits et je les termine même. Alors j'ai bien aimé cette poudre, mais c'est vrai que les poudres compactes, en plus qui sont colorées, puisqu'elle était colorée, ça a tendance à faire très vite cakey. Alors moi je m'en servais vraiment quand je tournais, et c'est juste parfait parce que quand tu tournes, là vous vous rendez peut-être pas forcément compte, mais je commence à briller un petit peu quand même, si. Mais on a tendance à briller très très vite et il faut surpoudrer parce que j'ai un gros spot devant ma gueule et du coup c'est. Ça se voit très très vite, donc il faut surpoudrer. Donc honnêtement, pour tourner, elle était très très bien parce que je pouvais vraiment me placarder la tronche, ça ne brillait pas.
Je la rachèterai pas. D'ailleurs, je ne sais pas d'où ça vient, hein, honnêtement. Si vous savez, dites-le moi en commentaire. Mais je ne sais pas d'où elle vient. Elle était vraiment bien, mais non, clairement, je ne rachèterai pas. Voilà. Et enfin, ça y est, on atteint le dernier produit que j'ai terminé. Le dernier produit, c'était une poudre compacte peau dorée. Alors, je ne sais pas si vous le verrez un petit peu. Donc, c'est la marque PB Cosmétique. Franchement, le peu de produits que j'avais de cette marque-là, je ne vous conseille pas. C'est pas cher, mais honnêtement, c'est pas top. C'était le concurrent direct à l'époque de ELF. Et franchement, entre PB Cosmétique et ELF, perso, vraiment, j'aimais beaucoup ELF. J'ai voulu tester PB Cosmétique, j'ai été très déçue. Donc voilà, écoutez, je suis hyper contente d'avoir terminé. C'était une sorte. Alors, c'était censé être une poudre. Très honnêtement, je m'en suis encore servi aujourd'hui pour faire une sorte de petit réchauffage. Mais c'est orange. C'est orange. Je pense que vous le voyez. Alors, c'est un peu plus clair quand même que ce qu'il y a là. Je sais pas si vous verrez, il y en a un petit peu là. Je vais essayer de vous le faire voir. Mais vous voyez, ça reste quand même très orangé. Évidemment, sur ma peau, ça se voit très très vite. Moi, je préfère vraiment une poudre bronzante très froide qui se verra beaucoup moins, qui sera beaucoup plus discret. Là, je le vois. Alors, c'est pas moche non plus, mais c'est pas ce que j'aime. Et honnêtement, la marque PB Cosmétique, j'ai été quand même assez déçue. Les produits n'étaient vraiment pas top. C'était pas cher, mais c'était vraiment pas top. Et je suis contente d'avoir terminé ce produit. Très très contente. Attention. Bon, on va voir combien de points j'ai fait. Et ben franchement, c'est pas mal du tout. Regardez, je l'ai plutôt bien rempli. Alors, nous avons fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 points. Et les gars, franchement, pas mal du tout, hein. Écoutez, on peut s'applaudir. Nous avons marqué 7 points. C'est pas mal. Pas mal. Bon score. Écoutez, j'espère que ce petit produit terminé vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous êtes d'accord ou non avec moi sur certains produits en commentaire. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez toujours de ces vidéos, si elles vous plaisent toujours autant. Moi, je prends toujours autant de kiff à les tourner en tout cas. Sur ce, j'espère que ça vous aura plu. Je vous laisse. Je vous fais à tous et à toutes de très gros poutou poutou. À la prochaine vidéo. Prenez grand soin de vous et ciao.